C, courage. H, héroïsme. F, fierté. A, amour. 1949 marque l'ouverture de CHFA, la radio française en Alberta. Ce sont les citoyens de la communauté qui ont payé pour la création du poste en amassant 140 000 $ à la fin des années 40. CHFA a été acheté par Radio-Canada en 1973, mais continue de permettre aux francophones de l'Alberta de s'exprimer, de prendre leur place. Et à la fin des années 80, elle fera une place toute spéciale aux artistes franco-albertains en créant le Gala albertain de la chanson. Je m'appelle Ronald Tremblay. J'ai travaillé à CHFA pendant à peu près 15 ans. Et CHFA a été pour moi non seulement un employeur, mais ça a été une fenêtre extraordinaire sur la communauté franco-albertaine. Moi, j'ai toujours considéré que les stations de l'Ouest, que ce soit CHFA, CKSB, CBKF, CBUF, ça se devait d'être des radios communautaires. Je sais que ça peut avoir une connotation des fois un peu bizarre, là, la radio communautaire, mais moi, je trouve que c'est la meilleure radio dans le fond. En 1989, CHFA fêtait ses 40 ans. Fait que peut-être un an avant ça, Denis Colette, pour qui j'ai énormément de respect parce qu'il y avait une belle approche de radio, moi, je trouve. Denis, donc, nous avait demandé aux réalisateurs d'arriver avec des projets pour fêter le 40e de CHFA. Moi, lorsque j'ai arrêté de faire de la chanson au début des années 80, du moins de la chanson amateur, dans les concours, je m'étais toujours dit, si jamais on me donnait quelques sous, j'en monterais un show comme ça. J'aimerais ça monter un gala de la chanson. Fait que moi, j'ai vu ça comme une opportunité en or. Ça arrivait de nulle part. Donc, moi, j'avais mis deux projets de l'avant. Le premier, c'était de faire un radiothéâtre. Et mon deuxième projet, c'était de faire un gala de la chanson. Et c'était pas prévu comme étant... c'est un one-shot deal, comme on dit. C'était supposé d'être un événement non récurrent, c'était juste un cadeau qu'on faisait à la communauté. On était pour se choisir des artistes et faire un gala de la chanson. Je rêve à la liberté. Tous les billets ont déjà été vendus. C'est que le premier gala provincial de la chanson française en Alberta est très attendu. Donc, on a regardé un peu le répertoire des artistes albertains qui étaient encore actifs à ce moment-là, qui était à peu près inexistant. Il y avait 7 artistes qu'on était parvenus à trouver. Et là-dessus, il y en a qui étaient déménagés, il y en a qui ne faisaient plus ça, il y en a qui étaient ailleurs. On en a donc pris 4. On a fait le premier gala de la chanson. Et il y a eu une réaction tellement monstre face à ça que deux choses sont arrivées pratiquement en même temps. La première chose, c'est qu'on a décidé qu'on ferait un deuxième gala albertain ou provincial de la chanson à ce moment-là, mais qu'auparavant, l'année d'après, on ferait même un gala interprovincial. Nous, CHFA et la CFA, en la personne d'Yves Caron à ce moment-là, on s'est ligués, puis on a décidé de capitaliser là-dessus. On a téléphoné. En dedans d'une semaine, on avait téléphoné aux autres provinces. Denis Colette avait téléphoné à ses confrères directeurs, puis on avait le concept ensemble. Et ça, finalement, bien, ça a défini un petit peu qu'est-ce que j'ai fait à CHFA, parce que c'est pour ça un peu que je pense que je suis le mieux connu comme travailleur à CHFA. Ça a été justement cette série d'événements-là de la chanson qui, 20 ans plus tard, existe encore sur cette poussée-là. CHFA, je veux dire, m'a permis de côtoyer les artistes d'une façon beaucoup plus intense que qu'est-ce que j'avais vécu auparavant. D'une façon beaucoup plus technique, je veux dire, ça m'a permis d'aider les artistes à se développer, puis en même temps, moi, à me développer. Puis il y a eu vraiment un échange même là-dessus, parce que autant que moi, mon job, c'était un peu de dépister les artistes, puis de les aiguiller, puis de les amener au gala de la chanson, puis ailleurs, puis des enregistrements. Mais quelque part, moi, ça m'a donné même le goût de refaire de la chanson. Puis même, ça a mené à un disque que j'ai fait en 2002. Donc, c'est une expérience extrêmement inclusive que j'ai vécue ici. Et je crois que ça a été accentué du fait que j'ai travaillé un certain nombre d'années à la radio, donc à peu près 15 ans, on a dit, à la radio. Mais il y a les 10 ans depuis ce temps-là où est-ce que je me suis beaucoup impliqué au niveau communautaire. Et ça, c'est une retombée de CHFA.